Et vous allez voir que le déplacement sur la terre ferme est un petit peu compliqué chez les phoques.
En fait, il faut savoir que les phoques ont la capacité de monter sur la plage, donc comme tous les autres, et notamment c'est la Sylvestrine, avec les deux pattes de devant. C'est là où en fait ils ont toute leur force. Par contre, là où ça se complique, c'est au moment de se déplacer sur ce que je vais faire avant, ou sur la plage. Vous allez voir que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et surtout, vous allez voir que pour se déplacer, le phoque va se servir également que des deux pattes de devant. C'est là où en fait, il va pouvoir se déplacer et en fait, il va ne seulement que ramper. La différence avec les otaries, c'est que les otaries, elles vont pouvoir se mettre sur leurs pattes, se déplacer en cas de grand danger, donc être un petit peu plus mobile, donc sur la terre. Donc c'est là-dessus que ça va s'arrêter, ils vont pratiquement tout manger. Forcément, il reste toujours des petits morceaux, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit morceau à tout le monde. On va donner un morceau à Spoonette, un petit morceau à Charlie. Forcément, il reste toujours un dernier morceau, donc maintenant on va donner à Sylvestre qui restait juste à mes côtés, donc qui a fait un ou deux exercices. Voilà, donc ça signifie la fin du repas pour tout le monde. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on montre également un petit peu le saut. Ça, ça va vous bien comprendre qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà, donc ça signifie la fin du repas pour tout le monde. Donc il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de l'émission de la mer. Et donc si vous avez des questions, je reste à votre disposition sur le côté. Merci beaucoup.